De convergence des genres, c'est une illustration de la convergence des genres? Non, c'est une illustration de l'autre versant qu'il faut tenir avec la convergence des genres, qui est la question de la singularité sexuée. Parce que ce n'est pas parce que les conditions se désexualisent, que les rôles et les fonctions sociales se désexualisent, que la dimension incarnée de nos existences disparaît pour autant. Nous n'allons pas vivre dans un monde d'anthropes où l'incarnation de nos vies serait réduite à rien du tout. La question, c'est simplement ce que nous faisons de cette sexuation. Et la grande nouveauté de notre temps et de nos conditions, c'est que nous en faisons ce que nous voulons. C'est la liberté inouïe que nous avons. On peut naître dans un corps féminin, se présenter au monde dans un genre masculin, avoir une sexualité hétéro ou homosexuelle. On peut naître dans un corps féminin, se présenter au monde sous un genre féminin, avoir une sexualité hétérosexuelle. Bref, les options... On peut être hétérosexuel et s'habiller en femme. Mais... Absolument. Ce qui est important, c'est la pluralité des options de vie genrée. Et ce qui est important aussi, c'est le respect de cette pluralité. C'est-à-dire que vous demandez le respect, la reconnaissance. Parfois, je trouve que ça s'accompagne d'une certaine forme de mépris pour la condition majoritaire, qui c'est celle, par exemple, la mienne, la condition des femmes hétérosexuelles. Je trouve que c'est tout à fait paradoxal que, par un côté, on insiste sur les droits des minorités sexuelles et genrées, et que, de l'autre côté, on continue d'assigner les femmes qui appartiennent, disons, à l'option majoritaire, à l'ordre ancien de la domination masculine, comme si le fait de se choisir une vie féminine et de vivre une vie hétérosexuelle et familiale était nécessairement le signe d'une soumission à l'ordre endocentré. Marie-Hélène Boursier. Non, là, je crois que vous confondez orientation sexuelle et genre, parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui sont hétérosexuelles, dans le sens, justement, où on a construit homosexualité et hétérosexualité. Mais ça, c'est comment dire, c'est pas intéressant, si vous voulez, de le voir comme ça, parce qu'il y a aussi le fait quand même que, oui, il y a eu une pensée plutôt voilà, straight, comme a dit Monique Wittig, une pensée hétérosexuelle, qui elle-même a créé cette opposition entre homosexualité et hétérosexualité, qui a créé quand même au 19e toutes ces typologies des déviances de genre, etc. Donc les minorités, c'est normal que quelque part, elles se rapprochent des choses. Elles ne demandent d'ailleurs pas forcément la reconnaissance, et elles vivent des vies différentes. Elles ont des subcultures qui leur permettent de produire des identités de genre qui vont dans le sens de la prolifération, comme vous le dites, pas nécessairement de la singularité de l'individu libéral, etc. C'est pas genre je fais ce que je veux comme je veux, demain j'ai la bite, je l'enlève, etc. Et c'est tout à fait, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup ce que j'ai lu dans votre livre, parce que vous dites, il y a ces gens-là, les théories du genre, qui veulent aller vers l'indétermination ou la neutralisation, non. Alors que c'est totalement l'inverse. C'est la prolifération, et en plus, vous dites aussi, qui baisse pas. Alors ça, par contre, je peux vous assurer que c'est fou. Le problème, non, justement, ce qui me pose problème, c'est cette idée qu'on pourrait désormais choisir toutes tes identités. Là, je suis un peu surprise parce que, justement, du fait de la condition incarnée, le corps dicte malgré tout certaines choses. Dicte rien. Attendez, laissez-moi finir. Dicte certaines choses et j'ai quand même le sentiment que l'on fait d'exception la règle. Parce que, c'est le cas là, par exemple. Voilà. Parce qu'on a le sentiment que, justement, parce que tel individu ne se reconnaît pas dans le corps dans lequel il est né, et qu'il y a un jeu entre ce que la nature lui a donné et ce qu'il devient, que ça devrait être précisément la condition humaine en général. Donc même cette idée de choisir, je me demande jusqu'à quel point il y a quand même un donné naturel qui me semble dicter quelque chose. Absolument et qui ne nous fait pas choisir d'être hétérosexuel, de cultiver notre féminité. Et en revanche, ça ne disqualifie absolument pas ceux qui, effectivement, ne se reconnaissent pas dans le corps qui leur est donné par la nature. Mais ça, c'est une vieille narration. Une vieille narration, je ne suis pas dans le bon corps, etc. Vous ignorez pas dit le bon corps. Vous ignorez les mouvements politico-sexuels. Vous ignorez les mouvements transgenres qui ont changé complètement cette narration qui était demandée par les médias. Mais oui, la narration, mais peut-être pas la réalité. Et qu'on retrouve encore. La narration, avez-vous bien dit. La narration. Vous ignorez la richesse. Et ça me... Mais je suis contente de pouvoir en parler ici. La richesse des structures sexuelles et de genre, y compris en France, qui sont des mouvements
politique et pas nécessairement de revendication et juste des droits pour uniquement. Marianne Boursier. Et qui produisent des corps terriblement incarnés, terriblement différents. Mais oui, mais... Des mecs avec des chattes, des mecs sans bite. Mais oui, mais c'est bien le postulat du genre que l'éventail des possibles serait ouvert à l'être humain. Marianne Boursier, qu'est-ce que vous pensez des extraits que j'ai montrés? Vous avez l'air de trouver ça... C'est toujours embêtant dans le cinéma français. Enfin, il se trouve que Xavier Dolan est québécois, qui s'amuse beaucoup. Je n'aime pas beaucoup sa politique d'auteur et le fait qu'il ait fait jouer ce rôle à Poupeau, qui, alors, évidemment, c'est le côté performance d'acteur qui l'emporte, mais qui, justement, est une présentation totalement esthétisante de la transition, on va dire. Je ne demande pas à ce qu'on fasse un documentaire quand on fait un film d'auteur. Mais voilà, pour moi, c'est trop déconnecté politiquement. Mais ça vous plaît, que ce soit des hétérosexuels qui s'affirment hétérosexuels, qui, en fait, rêvent de s'habiller en femme? Ça vous paraît compatible Non, mais à partir du moment où vous déconnectez, d'une part, sexe biologique et genre, évidemment, vous êtes dans un scénario, non pas... Parce que tout le début de l'émission, on était dans deux sexes, deux genres. Avec une continuité entre sexe biologique et genre. Ça, d'ailleurs, c'est tout ce que vous voulez. Le trésor national que vous voulez sauver avec Zemmour. Bon, d'accord. Sauf que c'est fini. La France n'est pas le musée de la différence sexuelle. C'est comme ça, c'est fini. Et c'est pas nouveau. Non, mais je vais rebondir sur ce que dit Marie-Hélène, mais avec tout autre mot. Si on reste dans le schéma nature-culture que je viens d'entendre depuis quelques minutes, effectivement, on ne peut pas passer à la dernière phrase que vous a mis dans votre reportage, qui est « on n'est pas femme, on le devient ». C'était la fameuse phrase de Simone de Beauvoir. Ou, merci. Où la chose qui est, c'est pas le point de départ nature et le point d'arrivée culture qui est important, c'est le verbe devenir. Que se passe-t-il dans cette histoire, histoire singulière et histoire collective, histoire avec un grand H aussi, c'est-à-dire l'historicité de cette question. Et c'est pour ça que moi, pour le coup, je ne vais pas suivre Marie-Hélène Boursier sur la question du pluriel par rapport à genre, parce qu'avant de parler du pluriel qui va nous renvoyer à prolifération, les genres, du pluriel en disant les gens. Moi, j'aime beaucoup revenir d'abord à le genre comme concept. Parce que ça, c'est un pari philosophique extraordinaire. Et c'est ce pari que je discute avec le mot sexe, pour voir, et non pas sexualité, c'est-à-dire pour voir ce qu'on va faire avec ce vocabulaire-là. Ça va comme ça nous libérer de l'affaire de la théorie du genre, qui serait qu'allons-nous faire à nos pauvres enfants dans les écoles, des choses affreuses, etc. On peut laisser tomber, parce que le terme de genre, c'est un pari de savoir, un pari pour penser cette sexuation du monde en question. Donc c'est quelque chose de neuf dans l'histoire de la philosophie, auquel je tiens, et que je tiens comme ça au singulier. Avant de revenir aux affaires d'identité, qu'elles soient multiples, proliférantes et bien sûr dépassant des binarités et notamment la binarité nature-culture où là il faut être aussi en désaccord avec des recherches féministes qui insistent beaucoup trop lourdement en France sur la question nature-culture. Monsieur Dailly, vous nous avez présenté une nouvelle mode dans le cinéma français des hommes qui se... Tendance. Voilà. Alors est-ce que c'est le reflet effectivement d'une tendance sociétale? Moi, je ne sais pas s'il y a plus d'hommes, je pose, vous devez savoir, Marie-Hélène, s'il y a plus d'hommes qui veulent être femmes ou... Hétérosexuels, attention, oui. C'est ça qui est intéressant dans la tendance. C'est des hétérosexuels qui veulent rester hétérosexuels. Que de femmes qui veulent rejoindre d'une manière ou d'une autre l'autre sexe. Je ne sais pas les chiffres. Ce que je sais, c'est que, et je parle sous le contrôle de Madame Fraise, historiquement, il y avait beaucoup plus de femmes qui revêtissaient le vêtement d'hommes. Parce que, évidemment, socialement, sociétalement, on avait plus de pouvoir en tant qu'homme. Et que c'était, a priori, plus toléré qu'un homme qui voulait être femme. Parce que là, c'était vraiment la folie de vouloir rejoindre le sexe faible. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça ne reflète pas finalement la tendance? Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, de tels films veulent montrer effectivement ce jeu qui est désormais possible dans les identités. Et donc, c'est cela qui est effectivement montré. Bon, c'est que tout en étant hétérosexuel, on peut tout à fait aspirer à avoir une apparence de femme. Mais c'est donc là qu'il y aurait dissociation entre le corps et... la sexualité. Là, il faut faire un petit retour à la fois historique et anthropologique. Ce dont vous parlez, cette corrélation entre sexe et genre, c'est très récent. C'est la modernité occidentale, la médecine moderne qui a inventé ça. Mais avant qu'on invente la médecine moderne et le corps biologique, expliquait le féminin et le masculin, pas par la différence des sexes uniquement, c'était pas pour des raisons biologiques, c'était pour des raisons cosmologiques, symboliques, etc. Voilà. Et donc on n'expliquait pas la différence de genre par la différence de sexe. C'est à partir du moment où on a médicalisé les corps et qu'on a inventé la nature comme un être
aussi puissant que Dieu pour justifier la différence entre les sexes, qu'on a dit que c'était la nature et qu'on a fait des gens comme étant causés par les différences de sexe. Aujourd'hui, nous savons que ça n'est plus le cas. Oui, mais pas aujourd'hui. Bien sûr. L'historicité du masculin et du féminin, on peut au moins remonter au 18e et au 19e siècle. Pour le savoir, on n'a pas eu besoin que ce concept de genre apparaisse pour que l'historicité des identités masculines et féminines soit prise en considération. Nous savons que ça n'est pas les corps, ça ne sont pas les corps qui décident ce que sont les genres. Mais non, mais justement, c'est absolument pas ce que je dis. C'est que, en revanche, moi, je pense qu'il y a un donné naturel, mais sur lequel chaque civilisation construit des identités. Vous avez tout à fait raison. Et c'est là notre richesse d'être humain. Exactement. Donc le monde dans lequel nous vivons n'a plus besoin de rendre le genre comme étant la cause du sexe. N'a plus besoin de ça. Il n'y a plus de nécessité à le faire. Mais je ne dis pas la cause, vous, dans votre livre, vous dites qu'il faut garder cette tension, cette aimantation. Mais parce qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, parce que vous êtes dans un monde uniquement... parce que j'ai envie de faire droit au fait que nous ne sommes pas entièrement maîtres de nous-mêmes. Il y a une part de l'existence qui nous échappe. Donc nous découvrons aujourd'hui oui, mais c'est pas ce que les gens... que ceux qui s'identifient pleinement... à travers les masculinités et les féminités standards, on découvre aujourd'hui qu'au fond, ils font le même travail que ceux qui ne s'identifient pas à ces masculinités et féminités standards. C'est ça qu'on découvre. On découvre que les personnes trans ne sont pas une minorité un peu exotique. On découvre qu'au fond, ils font le même travail de composition de leur identification de genre que font tous les autres. Nos identifications de genre sont le produit du rapport. Nathalie Loiseau, vous avez travaillé votre identification de genre. Moi, je trouve curieux qu'on ait à ce point besoin de normer les choses et qu'on quelque part dans votre discours. Moi, je vous sens agressée. Moi, je ne me sens pas du tout agressée par ces évolutions et le fait qu'on puisse dire aujourd'hui ouvertement qu'on est traversé par une série d'identités. Mais tant mieux, c'est une richesse. Mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'identité aussi? Non, mais ça, c'est parce que t'es contre, mais nous, on est en train de parler. Non, mais c'est pas que je suis contre. Et puis, il y a des politiques identitaires qui sont d'ailleurs pas du tout essentialistes. Non, mais la question féministe n'est pas qu'une question d'identité. Non, mais là, on parle de genre. Et d'ailleurs, la question d'identité... Notre notion d'identité n'est pas essentialiste. Bah vous, dans votre livre, vous dites ce que vous voulez de la femme, franchement. Vous dites que chaque femme est émancipée parce qu'on est toute seule avec son chien, Sur le donné du féminin, construit aussi une identité en fonction de tas d'influences. Donc c'est vrai que, en tout cas, moi j'exclurais plutôt la notion d'identité si elle doit être assimilée à quelque chose d'essentialiste. Vous essentialisez la femme dans votre livre. Je voudrais prendre un peu de chance. C'est-à-dire, il y a deux paradigmes, mais c'est pas la même chose d'être sur le schéma de la différence sexuelle qui est née avec l'époque moderne, j'insiste, le capitalisme, qui a bien aidé aussi à coloniser, à féminiser et à dire que tout... Bien sûr. Là, vous parlez de la différence entre les hommes et les femmes. Qui a été installée, la fiction de la différence sexuelle avec un dualisme, une incommensurabilité entre les hommes et les femmes qui fait qu'on va dire les femmes sont passionnées, elles ne vont pas à l'Assemblée, etc., etc. C'est un moment bien précis dans l'histoire, c'est la naissance de l'époque moderne. C'est d'ailleurs pour ça que le féminisme arrive très tôt et commence à faire bouger et ça fait des crises et les hommes aussi là ils commencent à douiller dès ce moment-là. Bon. Non, mais c'est la question il y a une possibilité. Non, laissons tomber la question de l'égalité de la parité parce que ça rebinarise, réindexe. C'est pas de parité, c'est pas d'égalité, ça n'a rien à voir avec la parité. Le problème, c'est que là, on en a parlé que d'égalité homme-femme. C'est pour ça que ça me gonfle aussi. Mais si vous dissociez sexe et genre et si vous prenez. Vous dites N-sexe N-genre. Pas pour dire il y avait déjà des trans au temps de l'Antiquité ou faire des anachronismes en disant que Socrate était homosexuel alors que non, il baisait sa femme en rentrant. Donc c'est pas ça qui se passait. Donc là, c'est ce que tu disais aussi, il y a des manières d'organiser. Bon, la cœur le dit très bien, on n'est pas obligé de le croire, mais c'était pas binaire. C'était pas un dualisme entre homme-femme. Et à chaque fois, on se fait piéger par ça. Et c'est avec ça que vous vous dépêtrez dans votre livre pour résoudre un problème que moi, je ne conteste pas par ailleurs. Mais si à chaque fois, on réindexe uniquement sur les différences sexuelles, on s'appauvrit. Et on s'appauvrit aussi de tout ce que produisent les cultures sexuelles minoritaires qui produisent des identités de genre en pagaille. Vous les réindexez en permanence, ces différences sexuelles.
Non, non, c'est mais vous. Si. C'est vous, parce que moi, non, je ne suis pas... Il reste, moi, que, il reste que quelques minutes. Je voudrais entendre Camille Froide-Vaumétry et Jean-Louis Auduc. Oui, j'avais juste une question, Marie-Hélène Boursier. Oui. Je voudrais savoir ce que, dans votre proposition, vous dites de la condition des femmes qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, je crois, standards. C'est comme ça que vous les qualifiez. Donc, voilà, parce que non, la question du féminisme aujourd'hui et de ce que c'est que d'être une femme à l'ère de l'égalité en cours entre les sexes, il faut quand même essayer de réfléchir aux vies totalement inédites que nous vivons. Et je me demande ce que votre proposition apporte à cette réflexion. Il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui sont pas à l'aise dans la culture hétérosexuelle. Et généralement, ce sont celles qui deviennent féministes. Donc là, je ne suis pas en train de donc dire... Donc toutes les féministes sont celles qui ne sont pas à l'aise dans la culture hétérosexuelle. Ça, c'est... Non, alors, voilà. Je suis blanche, catégorie socio-professionnelle supérieure, hétérosexuelle, mariée, et j'ai des enfants. Je suis féministe. Non, j'ai dit... Je n'ai pas dit ça, j'ai dit... J'ai dit, il y a des femmes qui... Il y a des femmes ou des hommes... Qui, parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans la culture hétérosexuelle, du coup, mais si, le féminisme... Il nous reste que quelques minutes. Oui, mais c'est parce que vous avez une vision hétérocentrée du féminisme. C'est qui le sujet du féminisme? Ce sont les femmes hétérosexuelles qui sont la grande majorité qui sont le sujet du féminisme. Parce que ça a été un sujet blanc qui a été critiqué par toutes les féministes de couleur. Et elles continuent à être exclues du féminisme. Eh bien oui. Les féministes de couleur. Ben bien sûr. Bon, Jean-Louis Auduc. Eh ben, l'intersectionnalité, c'est un keyword, mais pour l'instant, vous la voyez, vous, l'intersectionnalité, même sur ce plateau. La réflexion. Non, que non. Jean-Louis Auduc. Non, et c'est pour ça qu'il y a deux marches. Départ Bastille. Mais c'est pas les Jean-Louis Auduc. Dimanche. C'est la marche pour toutes. De ce point de vue-là, moi, je crois que pendant longtemps, le corps a été un impensé des réflexions. Et je crois qu'y compris dans les programmes scolaires, puisque moi, c'est surtout ma spécialité, le corps était totalement absent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on réinsère de la réflexion sur le corps. Je crois qu'il y a là une vraie réflexion. Deuxièmement, mais c'est l'historien, ne réduisons pas ça à l'époque moderne. Je dirais, d'une certaine manière, il y a eu des débats à Rome. Quand vous parliez de la médicalisation, le traité de Galien, qui effectivement est le premier traité de médicalisation homme-femme, c'est ce que j'évoque. Et donc, de ce point de vue-là, éduquer peut-être les gens, c'est donner une dimension historique parce qu'un certain nombre de problèmes qu'on aborde ici ont à des moments historiques été présents au moment de Rome par rapport au traité de Galien et effectivement au rejet des femmes dans un certain nombre de fonctions. Je crois qu'une dimension effectivement de longue durée par rapport à ça est importante, tout en sachant qu'il y a aujourd'hui des discussions nouvelles. Dernier point, c'est important d'avoir ces discussions, parce qu'aujourd'hui, l'information de la majorité des jeunes, ce que je fréquente effectivement quand je fais la formation, c'est par Internet, c'est par les réseaux sociaux. Et donc l'image qu'ils vont avoir des trans, de la femme, des hommes et tout, c'est, je peux vous l'assurer, souvent des horreurs. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu éducatif parce que sur toutes ces questions de sexe, la majeure partie de l'information, c'est par les réseaux sociaux. Oui, mais je vous rejoins complètement. Les meilleurs experts de la masculinité, des masculinités, des féminités et du corps pour des raisons évidentes, des experts invités dans toutes les écoles, et dès le plus jeune âge, c'est attention. Les personnes trans. Non, évidemment. Oui, mais dans les écoles, ce qui est le plus ringardisé aujourd'hui, c'est précisément l'aide qui va se sentir exclusivement hétérosexuelle. J'ai quand même, alors là, vraiment enquêté sur cette question. Et justement, plus on se sent dans une seule identité, et plus on est ringardisé dans les cours d'école. Il y a des tas de témoignages là-dessus. Alors, dernier mot, Eric Massé. Il n'y a pas de trans à l'école. Un des enjeux politiques sur cette question. Mais contemporain. Si. Et on les invite à tout essayer. Moi, j'avais défendu. Non. C'est d'articuler deux choses, en fait. Attendez. C'est d'articuler deux choses, je crois, sur la question du genre. Je crois qu'on pourrait dire d'un côté, les enjeux de l'égalité, c'est genre pour personne. C'est-à-dire que le fait qu'on soit un homme, une femme ou n'importe quoi, ne soit pas ni un handicap, ni un privilège social. Mais attention, et là, il y a énormément. Attendez. Et là, il y a énormément de choses à transformer pour qu'effectivement, le fait d'être homme ou femme ne soit ni un privilège. Et puis, il y a un autre volet qui est nécessaire d'articuler, c'est genre au pluriel pour tous. C'est-à-dire, au fond, avons-nous la capacité de laisser se déployer, au fond, les individuations de la manière dont elles vont pouvoir composer
sans les rabattre sur des normativités corporelles ou sexuelles ou je ne sais quoi. Mais vous abandonnez au vertige des individus, au vertige du vide. Non, il n'y a pas de vertige. Tout le monde fait ce travail de composition. Et moins vous aurez de normes humiliantes et blessantes, et plus vous permettrez aux individus de faire ce travail. Est-ce qu'on pourrait croiser simplement deux principes de la démocratie? C'est égalité et liberté. C'est en les travaillant ensemble. Et de ce point de vue-là, la modernité, ce n'est pas seulement ce que le genre fait au sexe, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du semblable. Là, ça s'appelle la démocratie. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas seulement une affaire, mais d'identité, mais aussi de politique en général. Et de ce point de vue-là, la thèse de Thomas Lecker est juste erronée. Et Nathalie Loiseau, erronée, historiquement parlant. Qui a droit aussi à sa conclusion. Non, mais ce n'est pas une question d'être d'accord, c'est un problème là encore. La démocratie, c'est aussi liberté, sécurité, libérale, depuis le 18e. Alors, c'est d'abord le semblable. Nathalie Loiseau. Ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point on se divise sur ce qu'est le féminisme, ce qu'est l'identité. On est terriblement normatif encore. Et pendant ce temps-là, on s'imagine que les combats sont gagnés, que l'égalité homme-femme, finalement, c'est tellement dépassé qu'il faudrait parler d'autre chose. Je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça doit être un peu troublant, parce que dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, je ne suis pas sûre que ces questions-là et ces divisions-là les aident énormément. Camille Froide-Vaumétrie, vous vouliez ajouter? Rebondir juste sur la question du corps et de sa centralité et de l'importance de revenir à une réflexion, notamment sur la corporité féminine, qui soit une réflexion qui n'enferme pas cette question dans l'aliénation, hein, parce que le souci que les femmes ont de leur corps, c'est un souci qui est aussi légitime que celui de tous les genres, en quelque sorte, et que si on pouvait arriver à réintroduire dans la réflexion féministe les thèmes corporels féminins comme la maternité, comme le souci de soi, ou les relations sexuelles, et amoureuses, eh bien, je crois qu'on ferait un grand pas vers notamment les jeunes filles qui ont du mal à se reconnaître dans le féminisme, parce que précisément, le féminisme, parfois, dans certains de ses aspects, leur tend un miroir dans lequel elles ne peuvent pas se mirer, précisément, un miroir qui leur intime, en quelque sorte, de vivre comme si elles n'avaient pas de corps. Je vous remercie tous les huit d'avoir participé à cette émission.